dans Touche pas à mon poste. Le jeudi 8 avril 2021, l'un des chroniqueurs de Cyril Hanouna a confié avoir passé plusieurs heures à l'hôpital suite à une petite mésaventure. Alors que le présentateur du divertissement phare de C8 complimentait les talents de Benjamin Castaldi en tant que présentateur d'émissions de télé-réalité, la chaîne diffusait ce soir-là un prime time spécial pour célébrer les 20 ans de Loft Story. Nicolas Pernikoff a tout à coup été pris à partie pour donner des nouvelles de sa santé. En effet, Cyril Hanouna a demandé aux membres de sa fine équipe comment allait son œil. L'ancien patron des divertissements et des jeux du groupe France Télévisions, qui avait d'ailleurs lancé Touche pas à mon poste, lors des débuts de l'émission sur France 4, a répondu allait mieux. Mais que s'est-il donc passé pour que celui-ci se blesse? Il semblerait que le sévère bobo soit survenu la veille, le 7 avril 2021, et qu'il s'agisse d'un accident de jardinage. Nicolas Pernikoff explique dans TPMP s'être pris par mégarde un coup de bambou dans l'œil. Nicolas Pernikoff a ainsi précisé, « Ça va mieux, j'ai passé 4 heures aux urgences, mais ça va mieux. » Tiffany Bonvoisin, sa camarade sur le plateau, a alors ajouté qu'il s'était pris un bambou en plein visage. Jamais à court de bonnes blagues, Cyril Hanouna a rétorqué à son compère, « Mais vous avez fait Koh-Lanta ou quoi ?» Nicolas Pernikoff a expliqué en définitive avoir acheté des bambous pour les planter mais qu'il s'en est pris un dans l'œil. Visiblement sans séquelles et présent dans le programme, il y a fort heureusement eu plus de peur que de mal.